Parfait. Okay. Donc, je vais prendre la photo quand on parlera du barbecue. Mais pour commencer, on va peut-être pas cette photo-là. On mettra ça pour commencer. Très bien. Donc, un petit peu. Je vois que j'ai un. Ah, Olivier m'écrit dans le chat. Ouais. Allô? C'est juste que sur le live, il y avait écrit à suivre, il n'y a pas écrit le prochain talk, mais ça vient d'apparaître sur les sites qui tournent. Ah, d'accord. C'est peut-être parce Et que c'était un moment. Salut, salut. Ça va bien? Mais toi? Cool. T'es chaud là? Oui, bouillant. Voilà, donc je récapitule juste deux, trois petites choses. D'accord. Après petite introduction de ma part, tu vas pouvoir commencer ta préparation, enfin, à parler. Jusqu'à à peu près 14h50. Très bien. À peu près, on n'est pas quelques minutes près. Et du coup, en gros, entre 14h50 et 14h55, on aura du temps pour les questions-réponses avec les participants. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, c'est moi qui vais lire les questions. Donc, tu vas pouvoir juste m'écouter et puis répondre aux questions comme ça à la fois. Très bien. Ça marche. Parfait. Donc là, on est super en avance, donc on a tout le temps qu'il faut. Ouais, 10 minutes. Ouais. Donc, je pense que je te demanderai un petit peu quelles sont tes recettes préférées au barbecue. Je ne sais pas si tu peux raconter si tu as des techniques particulières pour lancer ton barbecue. D'abord, le poulet au barbecue. Donc, je pense que c'est. Surtout ici, dans la zone où je travaille, le poulet, c'est la, on va dire, c'est l'aliment le plus mangé ici, la viande la plus consommée. D'accord. Alors après, maintenant, il y a la viande, ok, les steaks venant de l'Argentine, qu'on vend un peu partout avec des fournisseurs spécifiques. L'avantage, c'est que il faut utiliser, par exemple, des clous de girofle pour bien parfumer la viande avant de la mettre au feu. Donc après, à même à 5 km, tu sens l'odeur de la viande, quoi, l'odeur du barbecue. C'est bien. Est-ce que vous utilisez des légumes aussi avec en accompagnement? Oui, on met juste après, quand tu finis de faire le barbecue, tu prends les steaks, tu les mets dans du papier alu avec un peu de pommes de terre, des courgettes, un peu de... Tout, ça dépend des légumes en place. Tu les mélanges, tu mets un peu de sauce et tu fermes avec le papier alu, tu mets au feu pour que ça crée une sauce en interne. Donc, ça permet à la viande de vraiment devenir tendre, quoi. Et puis, de parfumer et la viande et les légumes en même temps. Ça donne faim. T'as mangé, oui. Attends, on est, c'est vrai. J'ai mangé rapidement entre deux talks. J'ai pas assez mangé encore. Mais bon, ça c'est l'erreur hein, de préparer une conférence qui a lieu toute la journée, de pas penser à s'acheter un petit truc à manger rapidement. Ça c'est. Nous, ici, il fait midi, bon, midi moins 8, donc j'ai le temps jusqu'à 13h, 14h pour manger. On a 2 heures de décalage. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si Maud, si tu as du quoi, mais. T'as du code ou de la démo? T'as du code ou de la démo ou pas? Pardon? Est-ce que t'as du code ou des démos à faire? Je fais un live. Hein. Je fais un live. Voilà, je démarre comme ça. C'est des composants que je vais mixer, composants dans composants standard. Donc, c'est vraiment de la pratique, quoi. Et j'ai déjà préparé la vidéo. Donc, juste après, je peux partager. Vous allez sur ma chaîne YouTube. Je viens de poster la vidéo de la démo, quoi. Donc, pour ceux qui voudraient avoir plus
d'information. D'accord. C'est juste quoi, si jamais tu as un éditeur de code qui est lancé ou un navigateur ou c'est de la démo dedans, pense à zoomer pour que les gens y voient bien. Exact. OK. C'est sur Visual Studio, donc je vais zoomer pour que les gens puissent bien voir le code. Bon, je peux tester pour voir si vous allez bien. Je vais tester le partage peut-être pour voir. OK. C'est un partage. Visual Studio, il n'est pas là. Bon, ce matin, je vais partager mon écran entier. OK. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ça, c'est un peu le... Voilà. Donc, je vais rapidement... Là, vous voyez bien? Oui, c'est bien. Là. Parfait. Ah. Oui. Là, vous voyez. Oui, oui, là, c'est assez gros, c'est cool. Là aussi, si on veut zoomer, bon, on peut modifier. Okay. Surtout pour le code, là, effectivement, c'est assez gros. Exact. En général, on va mettre, enfin, en général, on met quand même en gros plan quand il y a du code. On alterne entre toi et ta tête et le code, mais là, c'est, là on voit. Ouais. Là, ça se voit bien, c'est bien pour le visuel. Toi, cette taille-là, c'est pas mal, c'est très bien déjà. C'est très bien. Okay. Si donc, jamais c'est trop petit, je mettrai cette vue-là où on ne voit que l'écran, mais de manière générale, c'est un peu plus sympa quand on voit le présentateur aussi. Donc, si tu fais que du live. Très bien, ça marche. Ok, d'accord. Nice. Ok, là, je mets mon écran, comme ça, je pourrais partager en premier. Ah, mais du coup, il est parti là. Ah, mais ouais. Ça a stoppé ton écran. Non, il est parti. Il est même plus là. C'est bizarre parce que c'est complètement simultané au moment où j'ai mis share screen. Mais non, je ne l'ai pas cliqué hein, pour information. Je ne sais pas où il est parti. Je ne sais pas si on peut cliquer. Non, je ne sais pas. Logique qui est super bien. Il arrive 20 minutes avant et tout. Et paf, 4 minutes avant le début. On n'a pas qu'à faire ça la dernière fois déjà. Ah, elle est là. J'ai cliqué sur Live Studio au lieu de cliquer sur enlever le partage. Mais d'accord. Tu peux directement partager ton écran maintenant. Et moi, je me lancerai dans le live qu'au moment où il y aura besoin. Mais tu peux laisser ton écran comme tu avais fait tout à l'heure. En fait, d'accord. Moi, je peux cacher ou afficher ton écran. Donc, le mieux, c'est que je le remets. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'il est là. Bah, je le vois. OK, parfait. C'est bon? C'est bon. Ouais, très bien. Moi, je me remets là-dessus. Et effectivement, quand on voudra montrer ton écran juste pour information, je ferai ça. Ce sera bon. Cool. Ça marche. Moi, je vais à vous laisser, de monitorer les questions et puis bon courage et bon talk. Merci. Salut. Salut. Ok.
Moi, je regarde bien l'écran pour voir quand on va commencer. Et voilà, pour information, quand on aura, quand on commence l'intro, c'est qu'on sera à live. D'accord. Ok. Il y a un petit peu de bruit derrière toi pour information, je sais pas si. Pardon ? Je disais juste qu'il y a un petit peu de bruit derrière, mais bon. C'est ah, d'accord. Peut-être... Ah, allez, ça. C'est ok ouais, comme c'est... ça ? Ouais, c'est mieux. Cool. Ouais. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors, je suis avec Léger et puis on va continuer un petit peu la suite de notre programmation. Léger, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vas nous parler ? Bonjour. Le sujet du jour, c'est... Oui, on va parler de... Blazor Component. Blazor Component, exactement. Allô? On a perdu Maud? J'ai l'impression qu'on a perdu Maud. Maud, est-ce que tu es là? Ok, bon. On va avancer. Ah, c'est bon, Simon. J'ai des petits soucis de Wi-Fi. Est-ce que peut-être Olivier peut reprendre? Prends la main? Ok, on va parler un peu de Léger. Léger, en plus, c'est super bien que... On va parler de toi. Il paraît que tu es un pot du barbecue et en plus, il me semble qu'on a des preuves. Exact. Bah, écoute, comme je vais le montrer dans ma présentation, le code, c'est comme une recette de cuisine. Donc, voilà, j'aime les deux. J'aime le code, j'aime les recettes de cuisine. Qu'est-ce que c'est une cuisine, là, du coup? Ben, écoute, c'est un barbecue avec du poulet et des rondelettes de porc. Donc, voilà, c'est un mélange des deux. Et après, maintenant, quand tu finis de faire la grillade, tu les mets dans du papier alu avec des condiments, pommes de terre, courgettes, des asperges, un peu de tomate et quelques petites astuces, ok? Et puis bon, voilà, ça sera à la fin du wow. C'est un vrai cuisseau, quoi. Exact. Ben, heureusement que vous le mangez, parce que sinon, ça me donnerait faim. Très bien. Okay, donc, aujourd'hui, tu vas nous parler du coup de composants avec Blazor, c'est ça? Exact. Super. Eh ben, écoute, du coup, on va pas faire attendre plus que ça les gens et je te laisse y aller. Bon, quoi, très bien, merci allez. Olivier. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Léger Diba, je suis Microsoft MVP. Je suis aussi consultant solution architect au niveau de la Banque africaine de développement. Mes activités, c'est un peu de faire, je suis dans le groupe Entreprise Architect et on fait de l'architecture de solutions et aussi d'applications. Alors, dans cette présentation, je vais présenter un peu Blazor. Donc, voilà, c'est quelque chose que vraiment qui a révolutionné le monde C#, le monde .NET, le monde Microsoft avec .NET Core.
Donc, Blazor, c'est vraiment un framework Microsoft qui permet de faire du SPA, donc Single Page Application. Et ça permet aussi de pouvoir créer des applications clientes. Aujourd'hui, avec la sortie officielle de Blazor WASM, donc WebAssembly, nous avons aujourd'hui un full framework pour du full stack .NET developer. OK. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement dire de quoi il s'agit ici. Je pense que vous voyez bien mon écran. J'ai créé une application Visual Studio Blazor. Donc, c'est très simple. Vous mettez fichier, nouveau projet, et ensuite, vous prenez un Blazor application. Dès que vous cliquez, vous tombez sur une nouvelle application. Donc, j'ai un peu, rapidement, pour gagner du temps, j'ai un peu créé l'application. J'ai modifié simplement la page index. Donc, sur l'application, vous voyez, j'ai mis Azure Day Blazor. Donc, nous avons la partie data avec des fichiers Weather Forecast. Nous avons la partie page avec host. Donc, dans host, c'est ici que vous avez un peu l'équivalent du template par défaut. Donc, si vous voulez changer le template par défaut, vous venez ici. Donc, si vous voulez mettre quelques options de sécurité, c'est ici que vous allez les mettre dans la page host. Ensuite, vous avez des composants counter, OK, pour la gestion des erreurs, le fetch data et le index. Ensuite, vous avez les composants partagés, le main layout, OK. Ici, c'est la gestion des menus, donc avec le nav menu. OK, dans nav menu, vous avez les menus que vous pouvez modifier, créer, etc., etc. On parlera aussi de best practices, donc les best practices. Ensuite, donc, vous avez le survey prompt, donc qui va s'afficher au niveau de la page d'accueil que moi-même j'ai supprimé parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, donc, quand je vais exécuter l'application, vous allez voir, oups, alors, l'application va vous montrer un peu, alors, en HTTPS, j'accepte. Voilà, l'application vous dit bienvenue dans Azure Day. Il vous montre un bonhomme qui aime bien la cuisine et vous dit le coding, c'est comme une recette de cuisine. Exact. Alors, vous avez aussi le counter. Quand vous cliquez, il y a Click Me qui est là. Donc, il fait une indentation de plus 1. Fetch data, il cherche les données. Donc, je vais faire voir les codes sources de la page. Excusez-moi. C'est un peu... Voilà. Je vais quitter. Voilà. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment une application single page application, vous pouvez inspecter la page pour montrer comment est-ce que, quand est-ce qu'il va chercher les informations au serveur, si rien n'est fait. Alors, nous allons rapidement aller au niveau composant. Donc, je vais modifier la page d'accueil. Donc, je vais mettre moins d'informations pour vous donner plus de détails. Donc, je fais enregistrer, je reviens sur ma page. Le serveur a détecté qu'il y a eu des modifications. Donc, soit je refresh, soit j'attends jusqu'à ce que je reprenne la main. Donc, quand je mets refresh, dans Tente, vous voyez, je viens dans Home, bienvenue dans Azure. La photo disparaît et l'indication disparaît. Je reviens encore ici, je peux mettre par exemple alerte info. OK. J'enregistre, je reviens, OK, je rafraîchis. Automatiquement, vous voyez, alerte info va prendre la place, OK. Alors, on va essayer de voir si Kant est un composant, comment est-ce qu'on peut intégrer ce composant dans la page d'accueil. Si Fetch Data est un composant, comment on peut intégrer Fetch Data dans la page d'accueil. Alors, c'est très simple, je viens ici, vous voyez bien. Alors, je vais... OK. Donc, il suffit simplement de prendre Counter et de l'insérer ici. Donc, je vais enlever tout ça là, fermer tous les documents. Je gère que la page index. Donc, je crée en disant Counter. OK. Counter. Et je ferme. J'enregistre. Et je reviens sur ma page. Je recharge. Vous allez voir que dans ma page index, j'aurai un counter qui est intégré. Alors, c'est une simple ligne de code. OK. Et counter est là. Par contre,
voyez, je change de page, je reviens, le compte est là. Si je veux rajouter, par exemple, quand va venir à ce niveau, je viens dans quand, par exemple, et je lui dis quand reçoit current quand plus 10. OK? Je vais mettre plus 10. OK? On va faire ça. Et on va voir comment est-ce que cela va se gérer au niveau des autres. Donc, je modifie une seule fois et tous les composants qui utilisent toutes les pages qui utilisent ce component sont affectées. Donc, vous voyez, automatiquement, je reviens encore dans la page quand vous voyez, c'est une indentation sur 10. OK? Donc, je clique, c'est 10. Donc, je reviens sur mon code, je veux intégrer fetch data. Donc, je mets fetch data. OK, c'est très simple. J'intègre simplement, j'appelle entre brackets, entre inférieur supérieur. Ici, vous voyez, j'ai intégré fetch data, le composant fetch data dans ma page index. OK. Donc, si je rajoute des informations, les informations sont rajoutées automatiquement. Donc, nous avons vraiment essayé d'intégrer ces deux pages-là, ces deux composants, dans la page d'accueil index. Alors, cette fois-ci, nous allons aller un peu plus loin que cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement créer notre propre composant dans Share. Nous allons créer un composant qui s'appelle mon composant. Donc, pour cela, je fais un clic droit sur Share. Je mets ajouter et je viens dans nouvel élément et je vais utiliser composant resolve. OK? Donc je vais l'appeler mon composant. OK. Mon composant est là. Excellent. Donc je n'ai pas besoin de ça. Alors pour l'instant, je ne vais pas mettre de paramètres parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les composants. Les components avec paramètres, les components sans paramètres. On peut aussi créer des composants de composants. OK? Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais simplement mettre une div. OK? Alors, dans cette div, je vais mettre simplement, je vais mettre, par exemple, ici, place alerte, alerte success. OK? Et je vais mettre une phrase ici. La phrase, ce sera « Bienvenue dans Azure Day. » OK. Donc, ça, c'est mon composant très simple. Ça, c'est un mot, un message à afficher. Et ça, c'est, on va dire, les paramètres CSS. Donc, comment je vais utiliser mon composant? C'est très simple. Je viens aussi ici et je vais simplement lui dire mon composant. Il est là. Je reviens dans ma page. Je fais un reload. Voilà. Bienvenue dans Azure Day. Alors, si je veux changer la couleur, je suis obligé de revenir dans le code. Dans le composant, mettre info, ce qui n'est pas tellement cool. OK, donc je reviens sur ma page, je rafraîchis et vous allez voir que ça va se modifier. Je vais mettre danger, donc danger. OK, je fais un CTRL SHIFT B. N'est pas obligé, vous pouvez simplement faire un save et je fais un refresh. Vous allez voir, bienvenue dans Azure Day. Alors cette fois-ci, je vais rendre mon composant très interactif. En quoi faisant, j'ai simplement ici déclaré, puisque ça s'appelle mon composant, j'ai déclaré des paramètres. Alors, pour déclarer les paramètres, je les décore de paramètres et ensuite je fais un prop string message texte et ensuite je crée un deuxième paramètre prop string CSS texte. Voilà. Donc je vais remplacer ça
Voilà. Ça, c'est le message. Donc, je vais l'appeler @message. Message texte. Et ici, je vais remplacer par @css texte. Aussi idiot et aussi simple que ça. Alors, donc, je reprends dans mon composant, j'envoie des paramètres que vous pouvez utiliser dans votre application. Le paramètre, c'est quoi? Vous lui envoyez un message et un texte CSS, que ce soit un alert danger, alert success, alert info, tout ce que vous voulez. OK? Maintenant, comment l'utiliser ici? Vous voyez ce composant-là. Je peux faire CTRL-SHIFT-B. Je viens, j'exécute. Vous allez voir, rien ne s'affiche. Absolument rien. C'est très normal parce qu'il n'y a aucun paramètre. Donc, je serai obligé de lui donner un paramètre. D'abord, le premier paramètre, je lui dis message texte. Hello, well, Azure Day. OK? With, avec un point d'exclamation. OK? Ensuite, le deuxième, c'est quoi? C'est le CSS texte. Le CSS texte, je lui dis alert success. Donc, je fais un CTRL-SHIFT-B. Je reviens ici. Oups. Load. Et vous voyez, j'ai un Hello World Azure D. Donc, mon composant a été vraiment géré à partir... Donc, les paramètres sont passés à partir d'un index et non à partir du composant lui-même. Parce que simplement, le composant envoie deux paramètres à l'objet ou à la page qui doit l'utiliser pour fournir le texte à afficher et le type d'alerte à afficher. Je peux aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez que ça c'est une application. Si c'est une application, cela veut dire que à chaque fois que je veux faire des modifications, je rentre dans le code, je modifie et ensuite je vais pusher, donc je vais déployer. Donc on va refuser cela, on va faire de telle sorte que puisque Azure nous donne la possibilité. Donc je vais mettre ici, bienvenue Azure Day. Donc je vais mettre ici par exemple un input. OK, input type texte et je vais enlever name et tout ce tralala. Je vais faire du two-way data binding. Bon, ceux qui connaissent Blazor savent ce dont je parle. Ceux qui connaissent pas Blazor, le two-way data binding veut dire quoi? C'est-à-dire le data binding bidirectionnel. C'est-à-dire que la modification peut se faire en temps réel, en amont comme en aval. Donc, pour cela, je vais utiliser bind value. Donc bind value, je vais utiliser la valeur. Bon, il va falloir que ici, dans ce cas, que je mette un code. Bon, il y a une manière de créer ça plus proprement, mais bon, pour les besoins de la démo, donc on va faire comme ça. Donc text message, ok, point virgule, et je vais utiliser. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? À partir de là, je fais CTRL-C, CTRL-V pour faire une copie. OK. Si je voulais déclarer ça public, bon, ça, c'est des astuces. Hein. Je clique ici. Sorry. Ici, voilà. Je descends et je dis public. Voilà. Donc, c'est des petites astuces que Visual Studio nous offre qui nous permettent d'être très, 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 très productifs. Donc, ensuite, CSS texte. OK. Voilà. Et ici, je vais remplacer par quoi? Ça, c'est le message. Donc, je vais dire message, text message, et ici, alerte, success, je vais simplement remplacer par CSS texte. OK. Donc ici, bind value, je vais mettre @text message, et ensuite, comment est-ce que je vais faire le rattachement? C'est-à-dire, ce qu'on appelle le bind value 2.event. Donc l'événement c'est lequel? C'est l'événement on input. Excellent. Notre composant est presque terminé. Je fais un CTRL-C. Donc je diminue un peu. Voilà. Je monte. Je fais un CTRL-C, CTRL-V.
pour lui dire que cette fois-ci, c'est CSS texte et bind value, c'est on input. Donc, je pense que mon composant est prêt à être consommé. Vous allez voir. Au niveau de la page index, qu'est-ce qu'on a? Je fais un reload. OK. Nous avons ici un texte. Ça, c'est, bon, je vais faire un placeholder. OK. Donc, je vais faire un placeholder. Sorry. Je vais faire un placeholder. Message. Écrire un message. Écrire un message. Et ici, le placeholder. Regardons. Et je vais mettre le style. OK. Donc, CTRL-C, CTRL-SHIFT-B pour faire un build. Pas d'erreur. Je vais mettre un reload. Voir, écrire un message, mettre le style. Le style, je vais mettre alerte info. Et vous voyez que alerte info, ça devient vert ici. Bon, on va faire du rouge, alerte danger. OK, voilà. Et quel message on va faire? J'aime regarder ce qui est en train de se passer. Alors, je fais, je diminue, voilà. J'aime vraiment C-Sharp et Blazor. Yeah. Et c'est la vérité. Hein. Donc, voilà. Nous avons notre composant. Nous avons alert danger, alert success. OK. Ça change de couleur automatiquement. OK. Success. Voilà. OK. Donc, attention, si vous faites une erreur, si vous donnez un composant qui n'existe pas, ici, vous voyez rien. Donc, je vais, pour être beaucoup plus certain, je peux aller sur, OK, Google. Et ensuite aller sur dire classe sorry classe alerte bootstrap 4. OK, et vous allez voir l'ensemble des informations qui sont possibles à mettre. Donc je vais mettre alerte primary, voilà, ici il y a rien. Donc dès que je mets alerte primary, oups, vous voyez alerte primary. Donc, quand je sélectionne, je mets alerte info. Je mets alerte info parce que j'ai déjà mis alerte. Donc, alerte info. Je viens, je mets alerte info. Et voilà, alerte warning. OK. Alerte danger. Alerte danger. Et nous avons alerte danger. Donc, je reprends le code. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait créer un composant qui s'appelle mon composant. Mon composant a du texte HTML et du code Razor. Donc, je rappelle que ce code-là, on peut l'intégrer dans une classe C-Sharp et simplement avec une manipulation qui permet un peu d'avoir accès directement à ces variables. Donc, c'est du clean code. Ça, c'est l'objet d'une autre série. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai déclaré? J'ai déclaré deux paramètres. Le paramètre public string message text et public string CSS text. Et ici, je mets une classe alerte et ensuite la classe CSS text. Je peux mettre tout ici, hein, et modifier mes classes à partir d'une interface d'administration. Donc ici, par exemple, si vous manipulez les couleurs, si vous manipulez les notifications, les différents types de notifications, c'est bien d'avoir une page d'administration au lieu de pouvoir à chaque fois modifier votre code source et ensuite déployer l'application, ça demande quand même beaucoup de ressources et beaucoup d'efforts. Donc ici, l'avantage, c'est que vous créez un composant. Le composant peut être intégré sur une page d'administration. Vous pouvez changer les types de notifications sans passer par le code. Donc voilà. Donc après avoir créé mon component, mon composant, je viens sur ma page. Puisque mon composant a deux paramètres, ces deux paramètres-là sont décorés au niveau du corps du composant. Donc, je mets, j'ouvre les inférieurs, mon composant. Avec l'IntelliSense, hein, vous mettez message. OK, vous voyez automatiquement que ça vient. OK, il y a une très belle IntelliSense. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, ici, ça me permet de faire le data binding entre text message
et text message, CSS text et CSS text. OK? Donc, c'est pas les variables que j'ai appelées ici. La preuve, je peux les renommer autrement. Donc, je vais faire underscore. OK? Et je vais faire underscore ici. Et le underscore que je vais mettre ici. Ouais. Et le underscore que je vais mettre ici. Et le underscore que je mets ici. Et le underscore que je mets ici. Et ça permet de ne pas faire de confusion. On ne va pas confondre Angleterre et pomme de terre. C'est deux choses qui sont différentes. Donc, quand je fais un reload, j'ai exactement la même chose. Hello, Azure Day. And style, je mets alerte, alerte info. OK. Alerte success. Exact. Donc, nous avons la même chose. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes. On peut aller sur des différents types de notifications. OK. Alors, si vous voulez aller plus loin aussi, vous pouvez aller sur ma page YouTube. OK. YouTube user et léger. Je viens de mettre une vidéo qui va aller un peu plus loin sur sur le composant qu'on est en train de léger petit bas. Voilà. Bon, écoute, c'est pas ça. Excusez. Cool. Alors, je viens dans ma chaîne. C'est beaucoup plus simple. Voilà. OK. Vidéo. Exact. Blazor Component Azure Day 2002. Il y a une heure que j'ai uploadé la vidéo. Donc, voilà. Rapidement, la présentation que je voulais faire. J'ai pas fait de PowerPoint parce que pour moi, ça, c'est beaucoup plus efficace. Aller dans du live code. OK. Est beaucoup plus efficace que, bon, aller dans du PowerPoint, faire 15 minutes de PowerPoint et ensuite faire du live coding ou préparer déjà la démo. Donc voilà un peu ce que ça donne cette application. Les codes sources aussi seront disponibles sur ma page GitHub, Gbox. Et voilà, donc je pense que c'est OK. Olivier, Maud. Alors, merci pour ta présentation. C'est vrai que là, il nous reste encore, je pense, un bon quart d'heure minimum. On pourrait entrer peut-être un peu plus en détail dans certains sujets. Déjà, j'ai vu au début de vidéo quelqu'un qui se demandait vraiment les bases. Donc, Blazor, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que c'est un langage? Est-ce que c'est un framework? Est-ce que tu peux vraiment venir déjà juste sur le B.A.B.A.? Très bien. Alors, Blazor, c'est... on va dire, c'est pas nouveau, hein. C'est un nouveau framework de Microsoft. Mais le mode de fonctionnement de Blazor n'est pas nouveau parce que c'est du WebAssembly. Alors, le WebAssembly, c'est quoi? Vous pouvez utiliser du HTML avec du Rust. Vous pouvez utiliser du HTML avec, par exemple, du Java. OK. Et pour pouvoir, écrire vos codes à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, Blazor, c'est du Razor. Razor, c'est du HTML plus du C#. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que, avec Blazor Server Side, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle Signal A pour vous donner l'effet en temps réel et vous donner la possibilité de faire une single page application. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez avoir accès au serveur, mais on va dire avec un téléchargement de Signal A sur la machine cliente. Alors, Microsoft a aussi utilisé ce qu'on appelle le Blazor WebAssembly, c'est-à-dire le client-side, où vous n'avez pas besoin de Signal A. Vous écrivez, vous pouvez faire du offline mode, donc votre application n'a pas besoin d'Internet pour marcher, sauf s'il y a une validation vers un serveur. Dans ce cas-là, il va se connecter et se synchroniser. Mais voilà, Blazor, c'est vraiment un nouveau framework de Microsoft qui utilise un ancien framework qui s'appelle WebAssembly, le WASM, qui va utiliser du C#, du HTML pour faire vraiment un full stack C# développeur en utilisant les technologies ASP.NET Core. C'est vraiment du ASP.NET Core, le Blazor. Une autre question, est-ce qu'on pourrait faire un dev? J'ai pas bien compris la question. Est-ce que Blazor est responsive?
Exact. Alors, on va le démontrer, hein. On va démontrer ici, par exemple, c'est pas Blazor qui est responsable, hein, le template qui est utilisé est vraiment responsable. Regardez, je peux, bon, pile encore, bon, je vais dire pile parce que aujourd'hui, vous pouvez utiliser Blazor pour faire des mobile applications. Donc, responsivité, c'est vraiment assuré à 100% comme tout bon framework web. Donc ici, vous voyez, je peux faire tout ce que je veux avec ma page, ok. Le menu est là, donc c'est vraiment du responsive. Hein. Donc Blazor est le framework, le template par défaut est responsive. Par contre, après, vous avez vos niveaux de customisation que vous pouvez utiliser. Sinon, tout se passe très bien. Tout se passe très bien avec Blazor. Vous pouvez faire des applications web, mobile, avec Blazor, sans problème. OK? Exact. D'accord. On va attendre juste 3 minutes pour savoir s'il y a d'autres questions de participants qui aimeraient en apprendre un petit peu plus sur Blazor. OK. Voilà. Donc, aussi, une autre information, pour avoir accès à Blazor, je pense que c'est, vous pouvez aller sur le site blazor.net. Alors, il va vous rediriger vers la page de Microsoft Learn. OK? Mais il y a énormément de choses ici. Donc, on vous donne toute la documentation sur Blazor, l'architecture, la documentation. Vous pouvez télécharger Blazor. Allez, sur l'avantage de cette documentation, c'est vraiment c'est du temps réel qu'on dès qu'il y a une modification, la documentation est modifiée. Donc voilà, vous avez énormément de choses avec Blazor. Donc voilà les paramètres, ok, comment utiliser les paramètres, les render fragments, les children content, etc., etc. Il y a énormément de choses à voir sur Blazor. Ok. Bah, très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et merci. Puis, étant donné qu'on a un petit peu de temps avant la prochaine présentation, je me disais que j'allais vous montrer un petit peu les Azure Heroes. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, entre chaque présentation, on a partagé une slide qui expliquait comment récupérer son badge Azure Heroes. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Léger. Merci. Ciao. Voilà. Bon, c'est pas très présentable parce que je suis en train d'improviser un petit peu. Mais comme vous pouvez le voir, sur cet écran, vous avez un QR code. Et si vous scannez ce QR code, vous allez arriver sur la page des badges de Azure Heroes. Donc, on a créé avec l'équipe Microsoft tout un tas d'autocollants, de stickers, d'images avec ces petits blaireaux-là qui représentent la communauté des développeurs. Et puis, voilà, l'idée, c'est qu'on voudrait animer un petit peu cette communauté et puis partager les petites images sympas avec vous quand vous participez à des événements ou quand vous participez vous-même à l'animation de la communauté. Voilà. Donc, d'ailleurs, Olivier me disait à l'instant qu'il vient d'obtenir son premier badge. Donc, il a l'air assez content. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais ça peut être voilà, sympa. Là, c'est le badge, il me semble, le badge Summer Holiday, Summer Worker, quelque chose comme ça. Donc, c'est voilà, le badge pour les personnes qui travaillent durant l'été. Et puis, vous verrez que vous en avez tout un tas d'autres. Et puis, donc, deuxième chose à vous raconter, on a également un jeu concours sur le site qui s'appelle ak.ms/vacdjeux. On va le mettre dans le lien du chat. On l'a déjà mis, donc jamais vous êtes déjà sur le chat, vous scrollez un petit peu en haut pour le retrouver. Et puis, ce jeu concours, ça permet de gagner une Surface Go. Et donc, c'est assez sympa. Pour participer, il suffit simplement de remplir un petit formulaire. Vous avez l'option d'ACAS pour recevoir la newsletter mensuelle
de Microsoft aussi, ça peut être sympa. Donc c'est une newsletter développeur, donc qui n'est pas marketing. Donc si ça vous intéresse de recevoir plus d'informations, notamment pour voir quand est-ce que Microsoft participe à organiser ce genre d'événement, ça peut être cool. Et on partage aussi les nouvelles documentations qui sortent. Et puis les articles de blog qui sont écrits par nos collègues ou même par des développeurs de la communauté qui s'intéressent à Azure ou à d'autres technos Microsoft. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus puisque on aura bientôt le prochain speaker qui va arriver. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc chez moi en France, il est 14h35. Donc, je vous retrouve à 15h pour le prochain talk. Merci.
For everyone who is upskilling this staycation, we have something very special. The Summer Learner Badger, and you can earn one for joining this event. Scan the QR code, which will appear on your screen, and claim your badger. Azure Heroes is a Microsoft program for recognizing community efforts. For everyone who is upskilling this staycation, we have something very special. The Summer Learner Badger, and you can earn one for joining this event. Scan the QR code, which will appear on your screen, and claim your badger. Azure Heroes is a Microsoft program for recognizing community efforts.